Mais attends, mais moi j'ai un bol fou. Je suis né au milieu d'une famille. C'est un coup de bol extraordinaire. Mon père, qui avait connu Ravel et Stravinsky, quand même. C'est des trucs rien que de les citer, ça me donne le frisson. Qui devient compositeur pour Édith Piaf, Yves Montand, qui travaille avec Boris Vian. Attends, moi quand j'étais gamin, à la maison, il y avait Frédéric Dard, Boris Vian, Édith Piaf qui venaient bouffer, et tout. Mais sauf que j'étais petit et ça me disait rien du tout. Ma mère disait, viens embrasser Édith. Je trouvais qu'elle piquait un peu. Mais j'ai eu cette chance de naître dans cette famille avec d'un côté les Reichenbach, car Martine, ma sœur, était, comment dirais-je, issue du premier mariage de ma maman, avec Claude Reichenbach, le frère de François. Et de l'autre côté, il y avait la famille Lartigue, Jacques-Henri Lartigue, Dany, et puis Martin et François qui sont devenus Tigibus et Grand Gibus dans la guerre des boutons. Tu imagines un peu la chance que j'ai eue. Et ça m'a nourri, et ça m'a. J'étais vraiment nul en classe. Ce que j'ai. Je me suis arrêté à la quatrième. Ensuite, j'ai fait 3 ans de conservatoire parce que mon père espérait que j'allais prendre la suite. En fait, j'étais un mauvais élève. Et autant j'adore la musique, mais je ne suis pas un musicien. Donc, j'ai eu ensuite le bol de commencer à travailler donc, au théâtre avec Roger Coggio, puis au cinéma avec Claude Mulot. C'est comme ça que je me suis retrouvé à dire moteur. Notre aventure à Claude et à moi, elle est assez amusante, dans le sens où je dois tout à ma sœur aînée, Martine Messager, qui était une comédienne et comédienne de doublage également. Martine m'a toujours aidé à trouver du boulot. Et il se trouve que Martine vivait à l'époque, je parle au début 70, avec Roger Coggio, comédien, réalisateur, dont le grand succès au théâtre était Le Journal d'un fou. Une adaptation que Jean-Cou avait faite d'après Gogol. Martine m'avait branché avec Roger, et je me suis retrouvé régisseur en tournée sur le Journal d'un fou, et puis assistant quand il a monté une autre pièce qui s'appelait L'homme qui se donnait la comédie, avec Tania Balachova, précisons. Claude décide de faire un film qui s'appelait Chronique d'un couple, et c'est la Franco London qui le produit. Moi, j'avais fait des stages entre-temps sur les plateaux avec. J'étais retrouvé sur Mourir d'aimer de Kayat, vraiment comme stagiaire. En fait, j'apprenais mon boulot, quoi. Chose insolite, chronique d'un couple, le producteur décide, la Franco London décide quand même de confier à Roger Coggio un conseiller technique. Or, il se trouve que le conseiller technique, c'est Claude Mulot. Et c'est la première fois que je croise Claude Mulot. Et il y a un truc encore plus amusant, c'est que c'est la première fois que Martine Messager, ma sœur, croise Claude Mulot, coup de foudre, et Martine va quitter Coggio pendant le tournage pour Mulot. Je me retrouve donc seul, j'étais au départ deuxième assistant, tout le monde s'est barré, ça a été complètement
complètement insensé l'histoire. Je me retrouve premier assistant alors que j'étais stagiaire initialement. Mais bon, le tournage s'est déroulé quand même normalement à bon terme. Et il se trouve que Claude et Martine se sont mariés tout de suite après. Et comme par hasard, Claude est devenu un copain. C'était un beau-frère et c'est devenu un frangin. Et on avait tellement de choses en commun formidables, on s'éclatait des mêmes trucs, et c'était un vrai bonheur. Et voilà comment ça a commencé notre aventure. Donc, très peu de temps après, Claude fait un long métrage qui s'appelle La Saignée, avec Bruno Pradal, que je retrouve parce que j'avais été stagiaire sur Mourir d'aimer. Enfin bref, parfois le hasard fait bien les choses, on était très potes. Et donc je me suis retrouvé deuxième assistant sur Mourir d'aimer. On a travaillé donc, on a commencé à bosser avec Claude et on ne s'est plus quitté. Viennent ensuite Les Charnels, où là je deviens premier assistant. Ça fait sérieux quand même. Et je continue d'apprendre mon métier sur les plateaux et sur les tournages. Et c'est comme ça qu'on a commencé à tricoter, Claude et moi, jusqu'au moment où Claude, qui avait besoin d'argent pour rembourser un copain, va voir Francis Leroy avec un projet. On pourrait faire un petit film de cul, histoire de se faire un peu de pognon. Et il arrive avec Le sexe qui parle. Et c'est comme ça que les choses ont démarré côté X de la chose. La saignée, c'est justement grâce à la réussite technique et cinématographique de La Rose Écorchée, qui peut monter La Saignée. Et c'est l'époque où je fais la connaissance de Claude, et étant sorti du film de Cujo, après avoir terminé le film de Roger, Claude, tout naturellement, vu qu'on commence à tricoter des rapports très, très, très sympathiques et qu'on parle beaucoup, beaucoup de mêmes choses, de mêmes goûts, et ben, il va me demander d'être assistant sur La Saignée. Il écrit le scénar et il co-écrit le scénar. Le nom du co-scénariste m'échappe, mais ça va nous revenir. On va mettre un carton en dessous. On va tourner, on va partir dans le nord-ouest de la France, et on va tourner au bord de la mer, où tout le film se déroule, à l'exception du début du film qui se passe à New York. Et là, en revanche, Claude partira avec Jacques Assuérus, qui est son chef opérateur à ce moment-là. Il partira à New York en toute petite équipe. Oui, c'est vrai, il y avait Sidney. J'ai des souvenirs de pochetronnerie avec Sidney Chaplin. Je sais pas, moi, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 22, 23 ans, tu vois. Et on se faisait des soirées, on partait tous les quatre, je dis bien tous les quatre, il y avait les deux frères Baumann, je ne sais pas si le nom t'évoque quelque chose, deux jumeaux qui ensuite ont fait carrière dans le showbiz, qui sont devenus les managers de Mac Brandt, bon, et qui cartonnaient. Mais à l'époque, ils étaient des amis de Edgar Oppenheimer, le fils du producteur. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur La Saignée. Et avec Sidney Chaplin, c'était pur bonheur.
Écoute, tu peux nous parler justement un petit peu de Gabriele Tinti, un acteur qu'on aime beaucoup, Bastien justement, qui a fait beaucoup de bis, un peu crado même par moment. Un acteur formidable et un personnage, un type adorable, vraiment adorable. Un acteur d'un professionnalisme impérial. Je veux dire, il connaissait son texte, il était là, il avait les costumes, il fallait impeccable. Et en plus, un type absolument adorable, avec qui Claude est devenu très proche. Et quand Tinti venait à Paris, avec sa ravissante épouse, donc tu vas tout de suite me... Laura Gamser. avec Laura Gemser, Gabriel, il venait voir Mulot, on s'est croisé plusieurs fois chez Mulot avec Gabriel. C'est cool. Et du coup, tu peux aussi nous dire justement comment s'est déroulé le tournage, qui est quand même un côté un peu poisseux qui émane du film, un peu, je trouve, ce côté un peu un petit peu ténébreux, je trouve. La Oui, série, je trouve. mais oui. En plus, il joue pas un rôle follement sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moi je trouve que en plus Charles Southwood et Tinti sont formidablement bien à leur place et le sujet était d'une grande simplicité. Un témoin capital dans une affaire de meurtre est poursuivi par la justice qui voudrait le faire témoigner et la mafia qui veut l'exécuter. Tout est dit. C'était une belle idée, je trouve. Et il bossait à New York quand il a été témoin de ce meurtre, et il revient dans sa province natale, où il espère pouvoir être tranquille, ce qui ne va pas être tout à fait le cas. Et du coup, tu peux nous dire un peu comment Claude Mulot dirigeait ses acteurs, enfin comment c'était quoi l'ambiance un petit peu de l'époque du tournage? Claude était, et je dois avouer en toute humilité que c'est lui qui m'a appris à être comme ça, il mettait une bonne ambiance sur un tournage. Il n'y avait pas de caprice de réal, il n'y avait pas de colère. Il mettait une bonne ambiance et c'était, comment dirais-je, sa posture la plus évidente, c'est qu'il ne jouait pas les chefaillons ou les dictateurs. Il disait à tout le monde, on fait le même film. Et ça, c'est quelque chose qui marquait justement toute l'équipe, que ce soit les techniciens, parce qu'il faisait un casting sur les techniciens aussi exigeant que sur le casting comédien. Pour lui, c'était très important. Et donc, les acteurs, il les dirigeait, en fait, quand il leur confiait le rôle, il leur expliquait précisément ce qu'il attendait d'eux. Et une fois sur le plateau, quand on tournait la scène, c'était déjà évident. S'il y avait quelque chose à revoir, on coupe, on la refait, tu me la joues un peu plus ceci, un peu moins cela, mais tout ça dans la bonne humeur et l'amitié. Et on avait appelé ça Vidéomaniaque, et c'était l'histoire d'un mec qui prenait son panard à aller filmer l'horreur. Il était branché sur la radio de la police, et dès qu'il entendait parler d'un truc, il va falloir intervenir, machin et tout, il allait, il filmait. Et il allait voir une productrice qui produisait des films bis, en lui disant, voilà, je vais vous montrer ce que je sais faire, ce que j'ai fait, ce que j'ai déjà tourné, j'aimerais bien travailler avec vous et tout. Elle l'envoyait chier. Et il décidait de se venger et il commençait à exterminer tout ce qui bouge autour d'elle. Et chaque fois d'une manière un peu spectaculaire et tout. Et on s'était vraiment éclaté à écrire ça. Il a essayé de monter pendant des années. Jamais il est arrivé. Donc quand arrivait une proposition type profession aventurier, bling, fallait faire tomber le pognon et il y allait, tu vois.
C'est arrivé après, le Night Call. Le truc dont je te parle, on a dû l'écrire en 74, 75, tu vois. Mais en vrai, ça aurait pu être fort, ça, comme scénario. C'est fou. On se serait bien éclaté à le faire, celui-là. Et en plus, j'avais inventé des meurtres spectaculaires et tout. Une gonzesse qu'on enfermait dans une machine à laver. Tu vois, des trucs comme ça et tout. Ah, vraiment. Ah, on s'était bien éclaté à l'écrire et on pensait vraiment arriver à le monter, mais non. Oui, du coup, je voulais parler des charnels, justement, qui est un peu une période charnière entre deux genres. Et justement, le film est signé Frédéric Lansac. Oui. Ce premier film signé par ce pseudonyme-là, justement. Non, je crois que c'est le 7 qui parle, qui a été le premier Frédéric Lansac. Les charnels, c'est signé Frédéric Lansac. C'est sorti avant, oui. Ah, dans la copie que j'ai vue, il y a marqué un film de Frédéric Lansac. Je suis pas certain. Là encore, faudra aller sur... J'ai vu hier, justement, ça m'a surpris. Faudra aller sur Wikipédia et sur IMDB. Je sais pas, moi je n'ai que des souvenirs du tournage. Sous quelle forme le générique est trafiqué, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est un film sur lequel on a pris du plaisir, qui était une histoire assez bien tarabiscotée, mais bien foutue, où on s'attachait beaucoup au personnage, avec un S. Et parce qu'en fait, ils sont trois et ils sont tout à fait intéressants. Donc voilà, Claude écrit le scénar. Alors celui-là, il a écrit tout seul comme un grand. Il a pu réaliser ce film qui était plus effectivement dans la lignée de La Rose Écorchée. C'est-à-dire un film avec un vrai scénar, une histoire, et des vrais acteurs. Et, des vrais acteurs, c'est pas gentil ce que je dis pour les autres. On a fait le film avec un grand plaisir, une équipe toujours aussi formidable et amicale. C'est ça qui est important. Les tournages étaient du vrai plaisir. D'ailleurs, t'as un petit rôle dans le film. Oui, c'est pas de faire tout le temps comme ça. Oui, effectivement. Avec on est sur une péniche. C'est ça, c'est la belle-mère du personnage principal. En fait. Voilà, exactement. On est censé effectivement avoir. Sniffer un peu, peut-être, on dirait. Vous buvez, puis en fait, c'est un peu une espèce de formatrice, un peu d'info. Oui, elle est totalement d'infomane dans l'histoire. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié que je faisais une apparition dans Les Charnels. Oui, tout à fait. Et si mes souvenirs sont bons, à l'époque, nous avions une maison de campagne, enfin, on louait une maison à Orgeval avec un copain. Le copain en question s'appelle Andy Scott et c'est devenu un des ingénieurs du son les plus connus du showbiz peu de temps après. Il a fait le Honky Château avec Elton John à Hérouville et c'est devenu ensuite l'ingé son favori de Véronique Sanson. Et Andy, je l'avais amené sur le tournage et il joue un petit rôle dans la péniche avec moi. C'est une parenthèse, ça regarde que nous, hein. On est bien d'accord. Je vais picoler pendant la parenthèse. En fait, c'est pas un des premiers, mais c'est un des premiers qui est cartonné à ce point. Un des premiers qui est trouvé un public... à une période quand même où les films de cul sortaient sur les Champs-Élysées. C'est ça qui est fou. Se dire que en exclusivité, en façade d'une grande salle, le sexe qui parle. Et il a cartonné. Et c'était. En plus, l'idée était formidable. Je veux dire, après Deep Throat, il avait gambergé.
Et il s'était dit, bon, Deep Throat, tout le monde connaît le principe, le petit clito au fond de la gorge, et il est allé lui aussi dans le fantastique, puisque une femme devient totalement maîtrisée par son sexe. Et justement, le sexe, c'est ta sœur qui fait la voix. En fait. Et c'est Martine, effectivement, qui fait la voix. C'est complètement étrange parce que c'est presque caricatural. Mais c'est une période aussi où il y avait très peu d'effets spéciaux sonores. Ça aurait été beaucoup plus facile si on avait pu trafiquer, comme on peut aujourd'hui, la voix du sexe. Or, il n'y avait quasiment pas d'effets spéciaux sonores, donc c'est elle-même qui trafiquait sa voix pour incarner le sexe qui parle. Réveille-toi, gros dégueulasse! J'ai envie de baiser! T'as compris, espèce de pédé? Alors, t'as compris, oui? Je veux que tu me la rendes bien profonde. T'en fais une gueule, espèce de connard. Ça bouleverse ta petite vie bien tranquille, hein. Pédale. Et du coup, dans le film, l'acteur principal, c'est Jean-Louis Philippe, un habitué de Jean Rollin. Oui. Et justement, j'avais une question. C'est vraiment lui qui fait les scènes hard ou il est doublé dans le film parce que... Non, il est doublé. Oui. Il est doublé. Qui le doublait? Je crois que c'est Richard Lebieuf. Qui le double pour les scènes hard. Si je dis pas de bêtises, ça, il faudra demander à Richard. Dans mon souvenir, je me souviens plus si c'était lui, mais je crois que c'était lui. Mais donc, il est doublé. Mais il a pas énormément de scènes hard en plus dans le film, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est presque même un film, on dirait presque féministe, hein, parce que c'est quand même vraiment fou. Bah, c'était le but de la manœuvre, justement. C'était de montrer que une femme pouvait avoir elle aussi des désirs bien pervers et comment les assouvir. C'était assez nouveau dans le genre. Et du coup, le film est signé Frédéric Lansac. Philippe Lemaire s'appelle Frédéric Lansac dans La Rose écorchée. Et Claude a pris ce pseudo pour le sexe qui parle et pour son premier film porno. Et du coup, il a tous signé ce nom-là, si je ne dis pas de bêtises. Tous ces films art ont été signés. Tous. Ouais. Lansac. C'est devenu son pseudo X. Un truc qui est marrant, je trouve que c'est un constat personnel, mais c'est qu'en fait, tous les réalisateurs, on parlait tout à l'heure, qui avaient fait des films avant, Jean Rollin, Benazera, Michel Lemoine, enfin, ils ont tous fait à un moment du hard, en fait, c'est ça qui est marrant, en fait, je trouve, en France. Et ça bascule, et quand on pense à. Je vais citer un autre exemple, Claude Bernard-Aubert, qui devient Bertrand Barré, et pour continuer à travailler, continuer à tourner. Il se trouve que. J'insiste bien là-dessus, le cinéma porno, et je dis bien le cinéma pornographique, était un genre. Or, n'importe quel réalisateur pouvait avoir envie de faire un film d'horreur, car c'était un genre, et puis est arrivé dans un genre nouveau, la pornographie, où on pouvait continuer à faire du cinéma, raconter des histoires en... Je veux dire, en respectant les lois du genre. Oui, mais on enchaînait. Alors, c'est aussi grâce au producteur Monsieur Cinéma Plus, qui était Francis Leroy, qui, avec Francis Mishkin, nous invitait à travailler, à faire des nouveaux films, et pour cause. Le genre marchait du feu de Dieu. Il y a une chose qui est rarement évoquée, c'est le succès
de ces films en province. C'est-à-dire que dans un petit bled de province où il y a une salle de cinéma qui balance le dernier Gabin, le dernier Lautner et le dernier John Wayne, tout à coup arrive un porno. Là, tout le monde se précipite. Et les exploitants en redemandaient. Et les distributeurs qui travaillaient avec la province, donc, en redemandaient aux producteurs. Et c'est comme ça qu'on enchaînait film sur film. Et justement, on voit qu'au début, du art, il y avait une certaine qualité, en fait. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de budget. On voit qu'après, ça a vraiment baissé. On est complètement d'accord, mais on en revient toujours à ça. C'est-à-dire que c'était des gens du cinéma, allez, disons, traditionnel, ça s'appelle comme ça, qui abordait un nouveau genre. Mais je me souviens que j'ai travaillé avec des cadreurs qui venaient de finir un Jacques-Yves Cousteau pendant 2 mois dans le Pacifique et qui enchaînaient avec nous et qui, au lieu de filmer des requins, filmaient des sardines. Fastoche. Mais, je veux dire, c'était des gens du métier. Moi, c'est ça qui m'a toujours satisfait, c'est que c'est le compagnonnage que j'ai connu dans ce métier, et qui apparemment aujourd'hui est un peu moins pratiqué. C'est-à-dire que quand j'étais stagiaire, je voyais un chef machinot qui commençait à monter un travelling, et je le regardais avec curiosité, avec son niveau et ses calciflets. Et je regardais et il me disait « Ah, attends, je vais t'expliquer pourquoi. » Et il m'expliquait comment il montait son travelling. Et c'est ce que j'appelle le compagnonnage. C'est-à-dire qu'il ne gardait pas pour lui son savoir-faire. C'est ça la chance qu'on a eue aussi. Justement, pour rejoindre un peu ce que tu dis, on voit qu'à l'époque, il y a un casting quand même très réduit. Les actrices, les acteurs, c'est un peu souvent les mêmes, justement. Bien sûr, parce que c'est encore un genre très réservé. Et en dehors de je veux dire, la plupart des hardeurs et des hardeuses, Richard Lemieux, vous raconterez ça bien mieux que moi, venaient des clubs échangistes, des boîtes à partouze, je veux dire, le porno n'était pas tabou. Ce qui avait d'étonnant, c'est de se faire filmer. Ce qui avait de nouveau, c'est de jouer un rôle. Mais écarter les cuisses ou ouvrir la braguette, c'était un grand classique. Donc, il se trouve que une petite élite de ces boîtes qui était fréquenté par les Sylvia Bourdon, Alban Seret, Richard Lemieuvre et autres, a commencé à faire le casting des films en question. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actrices, je pense, comme Brigitte Lahaie ou Karine Gambier, les actrices comme ça de l'époque, un peu, qu'on aussi, on avait beaucoup vu, en fait, justement. Et tu peux nous parler un petit peu d'elles, justement, comment elles étaient sur les tournages? Sur les tournages, c'était des crèmes. Je ne peux pas mieux dire. Alors, je précise bien sur nos tournages, parce que jamais, que ce soit Claude ou moi, nous n'avons imposé quelque chose que telle ou telle comédienne ne voulait pas faire. Jamais. Quand elle disait « Ah non, attends là, non, pas de seau d'eau », je caricature un peu, mais il était hors de question de les forcer, de les obliger à faire quoi que ce soit. Et pour cause, parce que si elles acceptaient, on savait qu'elles allaient être tout à fait, non seulement à l'aise, mais que ce serait spectaculaire et que ça se verrait à l'écran. Et on a toujours eu les meilleurs rapports,
j'ose le croire, en tout cas, puisque je ne peux parler que de mon point de vue, mais que ce soit avec Brigitte, que ce soit, tu évoquais Karine Gambier, ou les autres, ça s'est toujours formidablement bien déroulé, parce que c'était sans la moindre... En plus, il y a peut-être aussi une chose, tiens, il n'y avait pas de misogynie. On traitait les uns et les autres de la même manière, et les comédiennes, je continue de les appeler les comédiennes, c'est dire, on les considérait justement avec le plus grand respect, et on faisait les cascades, c'est certain, mais avec leur agrément et tout ce qui était envisageable avec leur accord. Non, mais non, mais bon, ça, bon, que Bernard Murat ne veuille pas doubler un hardeur, c'est son droit, il n'y a rien à ajouter. Mais il y avait des comédiens formidables dans le doublage. En fait, ils étaient tous doublés pour deux raisons. La première, c'était une raison technique. C'est que on tournait énormément... caméra à l'épaule. Il n'y avait pas encore le steadicam, il n'existait pas. Et donc, mais c'était tournage à l'épaule, et à l'épaule, une caméra 35 mm, c'est déjà, ça pèse un certain poids. La plus légère, c'était la Riflex, et la Riflex faisait du bruit. Sur un plateau normal, elle aurait été blimpée. C'est-à-dire qu'elle aurait été dans sa boîte, dans sa case qui étouffe le bruit. Mais 35 mm à l'épaule, à réflexe, qui fait du bruit. Donc on faisait du son témoin, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un ingé son qui ne mettait pas des micros précis, et tout, mais qui faisait du son témoin de la prise de vue. D'abord parce qu'il y avait le bruit de la caméra, et ensuite parce que sur les scènes hard, on dirigeait et le cadreur et les cascadeurs. Donc on parlait. Et bon, t'es gentil, là quand tu le suces, tu pourrais être un tout petit peu plus de profil, des trucs comme ça. On les dirigeait en même temps, et donc que du son témoin. Pas de son direct, enfin du son direct témoin, ce qui fait que après on faisait de la post synchro et tout le son était reconstitué en studio. Justement, ce que je te parlais dans la Murat, parce que Kiko nous avait dit que Murat justement avait dit il est interdit de doubler un acteur France, etc. Et tu avais dit que c'était des cascadeurs justement. Ben oui, bien sûr. Un petit peu, mais oui, mais. Alors effectivement, le côté syndical de certains faisait que ils ne travaillaient pas sur ces tournages, ils ne travaillaient pas sur ces postes synchro, mais il y avait énormément de comédiens et de comédiennes de postes synchro qui enchaînaient porno sur porno. Et que ce soit, je vais citer des noms, mais Gérard Hernandez, qu'on voit tous les soirs sur scène de ménage, il en a fait des dizaines. Et il le faisait formidablement bien, et en plus il en rajoutait. Son mexicain un peu. Il en rajoutait, c'est-à-dire dans les gros plans hard, où il était censé faire la voix du cascadeur. On l'entendait faire des commentaires irrésistibles, il nous faisait beaucoup rire. Et que ce soit donc justement Martine Messager, ma sœur, Michel Bardollet, Perrette Pradier, des comédiennes très 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 respectées dans le milieu et du cinéma et du doublage, se sont retrouvées à doubler du porno. Et du coup, j'ai une question, c'est... C'est jamais arrivé qu'un acteur de hard se double lui-même, d'ailleurs, en... Si, ça a dû arriver.
Il doit y avoir quelques exemples. Je cherche. J'ai pas souvenir personnellement je pourrais pas citer de nom, mais je suis sûr que dans Queue de béton, Richard Lemieux s'est doublé et que c'est sa voix à lui. Mais là encore, je le répète, on travaillait, il fallait travailler très vite. On ne faisait pas du 2 minutes et demie par jour. Hein. Ça y allait. Et il fallait donc bosser très vite. Et le son était un handicap en termes d'installation sur un plateau ou dans un décor. Donc, son témoin, et tout se faisait ensuite en post-synchro. On vous octroyait combien de temps à peu près pour un tournage, pour un film porno de l'époque? Et qu'est-ce qui prenait le plus de temps à tourner, les scènes X ou les scènes de scénario, justement? C'est difficile de répondre d'une manière générale. Ouais. Parce que parfois, il y avait des comédiens qui avaient un mal fou à balancer leur texte, et ça prenait 2 plombes, alors que quand tu lui demandais une éjaculation faciale, ça prenait 30 secondes. Donc, c'est difficile de généraliser, je le répète. Bon, disons que le hard, grâce au formidable cascadeur, là je parle des mâles, hein, avec qui on travaillait, le hard, ça cartonnait, ça allait vite. Mais il y a aussi plein de choses qu'on oublie. C'est que pendant que tu fais un plan de hard, tu as vu, je le fais bien, il y a un moment où la fille va transpirer un peu, on coupe, et un petit raccord maquillage, etc. C'est-à-dire, on essayait quand même de faire du vrai cinéma, que ce soit présentable et que ça n'ait pas l'air d'être complètement bâclé. Donc, je ne saurais pas dire ce qui était. Il y avait du avec et du sans, SANS, précisons. On essayait de travailler vite, c'était surtout ça. Il fallait le minutage quotidien, c'était ça qui était important. C'était pas trop de péloche et du minutage. Ben, Alpha France, c'est grâce à Alpha France et à Francis Mishkin tout particulièrement qu'on a pu faire des films soignés, écrits, joués et bien réalisés, parce qu'il y avait les moyens de le faire. C'était ça, en fait, le nerf de la guerre. C'était d'un côté les moyens, de l'autre côté les professionnels. La femme objet, Claude, comme souvent, est parti de sujets qui avaient déjà été traités classiquement dans le fantastique, dans l'horreur, c'est même le golem quelque part. Bref, il s'inspire de ça et il prend un personnage totalement obsédé sexuel qui épuise ses partenaires, quelles qu'elles soient, et qui va donc se résoudre à trouver comment dirais-je, une manière de s'épanouir sexuellement sans fatiguer personne. En l'occurrence, il va créer une créature féminine. Je le répète, c'est Frankenstein et sa créature, et qui est là pour assouvir tous ses besoins, jusqu'au moment où la
la créature. C'est intéressant, justement, ce que tu disais tout à l'heure, justement, nous, il n'y a pas de misogynie, mais là, on le ressent vraiment, en fait. C'est le film qui se retourne et ah oui. C'est le mec qui en prend plein la gueule, en fait. Mais tout à fait, tout à fait. Et j'insiste vraiment là-dessus. On a fait des films qui n'étaient pas du tout misogynes, mais vraiment pas. Et pour cause, on ne l'est pas, tout simplement. Tout connement, même si on peut nous taxer d'exploiteurs des femmes et de leur sexualité, machin, etc. Mais les sujets qu'on traitait étaient résolument, si ce n'est féministe, en tout cas peu misogyne, pas misogyne. Le cinéma porno a beaucoup évolué depuis. Et qui est là encore une idée de départ formidable. C'est l'amnésie une jeune femme, après un accident de voiture, se retrouve amnésique et va chercher à savoir qui elle est, qui elle était et qui elle est encore. Et elle va se rendre compte que c'était une cool girl et qu'elle avait sa vie... sexuelle très riche, dirons-nous. Et là encore, c'est un vrai scénar avec un chouette casting et une mise en scène, comment dirais-je, tout à fait classique et noble. Oui, du coup, c'est vraiment un côté, pas à la Emmanuel, mais un côté français vraiment qui est présent. Qui est vraiment, oui, trouve, oui, 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 oui. Nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est un film soft, mais qui parle, là encore, de la sexualité, du rôle des femmes qui sont en général un peu plus à plaindre et à soutenir que les hommes qui les exploitent. C'est là où, je le répète, foin de la misogynie. Oui, mais j'en viens toujours à ça. C'est, je vais citer Claude, qui disait souvent, on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Tout est dit. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'éclater, se marrer, essayer de faire rire les autres, en tout cas sourire. Et c'était ça, c'était comme ça que les choses se passaient. Et on a toujours gardé, en fait, quelque part, ce que nous avons toujours été dans la vie. C'est, on est des joyeux de rire. On est de gais lurons et on aime bien se marrer et partager justement le plaisir de se marrer. Ben, l'amitié entre Claude et Johnny, c'était quelque chose là encore de tout simple parce que il y avait que du partage. Ça n'est que ça. Claude n'a jamais demandé à Johnny de l'aider sur un tournage. C'est Johnny qui est venu dans le jour se lève, il y en a parlé. Et, Johnny était ravi de faire le mec dans son brancard. Et Johnny avait demandé à Claude de faire un clip pour une de ses tournées, un de ses spectacles. Mais c'était... On s'est bien marré. Cela va donner le temps aux chanteurs de changer de costume. Mais plus qu'une nécessité pratique, ce film, c'est le moyen qu'a choisi Johnny Hallyday pour raconter une histoire, celle de l'apocalypse. Je le dis, je crois, dans la préface qu'on m'a demandé de très gentiment d'écrire sur son bouquin, sur le Frédéric Lansac, où Claude était un mec... hyper touchant, hyper séduisant, qui ne faisait rien pour séduire. Il était juste lui-même, il n'en rajoutait pas, et plein de gens l'ont adoré. À commencer par moi, Prums. «
Oui, mais oui. En fait, Claude avait connu Max Pécasse à une époque où Max commençait à faire ses premiers softs érotiques. Je suis une nymphomane. Et comment dirais-je, ils se sont formidablement bien entendus. Max était très content du scénar et il a commencé à en demander à d'autres, à Claude, encore soft. Et puis, Max est passé à la comédie. Il a eu envie de faire de la comédie pour Teenagers. Et il a demandé à Claude de lui en écrire un. Et Claude m'a dit, allez, on avait déjà commencé à travailler ensemble sur d'autres projets. Et Claude m'a dit, viens avec moi, on va écrire pour Max. Et le premier, c'est Marche pas sur mes lacets, si mes souvenirs sont bons. Et on a commencé à écrire pour Max Pécasse, qui faisait des films, qui faisait tourner sa prod, et il nous en a demandé d'autres, et on a fait 4 ou 5, je crois, comme ça. Mais c'était pas une corvée, c'était amusant. Parce que même dans ce cas, on voit Frère de Saint-Tropez, c'est un film que même tout le monde connaît un peu de nom, en fait. C'est un truc qui est devenu un... Bah oui, oui. Parce que justement, Max adorait filmer de jolies donzelles à moitié nues sur les plages, au soleil, et c'est tout. C'était vraiment son truc. Mais c'était un bonheur de travailler pour Max, parce qu'il nous faisait complètement confiance. Il a même un truc, mais c'est la seule et unique fois où ça m'est arrivé dans le métier, c'est qu'il nous a emmenés au Club Med à Marrakech, où lui, toute la journée, il jouait au tennis. Nous, on écrivait, on travaillait, mais au soleil, au bord de la piscine. Et le soir, on se retrouvait à l'heure de l'apéro et on lui racontait ce qu'on avait écrit. Mais il nous a offert un séjour de vacances pour écrire un scénar. Et ça, ils sont rares. Alors les playboys, la nuit a été bonne? Pas trop fatiguée? Juliette, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je vais tout avouer. Je suis pas en Bretagne. Je suis pourtant pas du genre à me vanter. Allez les filles! 3 semaines d'entraînement intensif et vous deviendrez le Rambo de l'été. Ben, il se trouve que j'ai eu justement la chance de travailler avec des gens formidables, et je le répète, le compagnonnage m'a énormément servi, et j'ai appris mon métier comme ça. Et ensuite, il y a un truc dont tu rêves quand tu es assistant, c'est de dire moteur. Donc c'est comme ça que les choses se sont goupillées, et il fallait ensuite trouver une idée de scénar. Pour ce qui est de Minuit avec, on venait de faire avec Claude, on venait de faire Le sexe qui parle, qui cartonne, et Francis demande à Claude, tu m'en fais un autre tout de suite. Et Claude, à l'époque, était sur un projet avec Georges Hautner, en tant que scénariste, et il dit non, là, pas maintenant. Et Francis se retourne vers moi et me dit, et toi, tu veux pas en faire un? Attends. T'es assistant et tout à coup le prod te demande si tu veux en faire. Mais j'ai dit oui. Et c'est comme ça que les choses se sont goupillées. Et j'ai trouvé l'idée de copier la grande bouffe et d'en faire la grande baise, qui n'est pas sortie sous ce titre-là, mais qui était le même sujet, c'est-à-dire trois nanas qui sont au bord du suicide et qui décident de mourir. Non pas avec la bouffe, mais par le plaisir. Et du coup, justement, au générique du film, on voit un film de Frédéric Lansac réalisé par Michel Barthes. Oui. C'est marrant, en fait. En fait, c'est parce que... ça, c'est du Francis Leroy. C'est parce que Frédéric Lansac venait de cartonner avec Le sexe qui parle. Et Francis est inspiré de ce que faisaient les Italiens à l'époque. C'était un film de... Federico Fellini, réalisé par
et c'était en dessous, tu vois, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de l'équipe de, mais on mettait le nom de Federico Fellini en haut, en premier, pour attirer le spectateur, c'était aussi simple que ça. Donc, Francis a eu l'idée de dire, on va faire un film de Frédéric Lansac, réalisé, alors Michel Barny, c'est parce qu'il fallait que je trouve un pseudo, et que j'ai pris Nibar en verlan, et c'est comme ça que les choses se sont goupillées. Mais j'ai fait le film avec Claude, qui m'a aidé du début à la fin, que ce soit à l'écriture ou sur la mise en scène. Alors, c'est vrai que c'est un film de Michel Barny, mais avec une formidable aide et assistance de Frédéric Lansac. Et puis ensuite, on a bossé ensemble et on en a fait plein, soit moi comme assistant, soit lui comme scénariste, mais on en a fait un paquet et on s'est bien amusé. Bon, il y a un truc qui est présent dans tes films, c'est l'humour, je trouve qu'il y en a encore plus que dans les films de Milou, je trouve. Jusqu'à la parodie, justement. C'est un peu vrai, c'est mon truc. J'aime bien me marrer et j'aime bien partager le rire avec les autres. Donc oui, je me laisse aller. Et un truc aussi qui est marrant, c'est qu'on voit les tests du sexe. Il y a même un truc qui, pour l'époque, c'est qu'il y a une scène homosexuelle, en fait. Oui. Et à l'époque, quand même, c'était... et alors là, c'est drôle. Tu vois, j'aime bien me marrer. Et ce qui est drôle, c'est que c'est Claude qui a eu l'idée. Et c'est Claude qui l'a réalisé, la scène. Pendant que moi, j'étais en train de faire autre chose avec Karine Gambier, lui, il a fait la scène avec... ils sont doublés, hein, je précise bien, pour ce qui concerne... C'est Guy Royer, je crois, et je ne sais plus qui... on est dans l'avion et on a au moment où tout le monde commence à... on est dans Sex Airlines au moment où tout le monde commence à s'éclater il y a une scène homo parce que ça fait aussi partie de la sexualité planétaire. Le commandant Lamour vous souhaite bienvenue à bord. Nous allons décoller dans quelques secondes. Du coup, il faut rappeler quand même, on en parlait tout à l'heure, un petit peu hors caméra, mais c'est que l'époque, les films sortaient au cinéma, en fait. Bah oui, mais c'est fou. C'est fou. Et j'ai demandé à un copain, je sais qu'il est en train de le chercher, à l'INA, un défilé du 14 juillet. Quelle année? Je ne sais pas, je crois que c'est 74, 75, où on suit la voiture de Valéry Giscard d'Estaing, debout, qui descend les Champs, et à un moment, il passe devant un cinéma où il y a Minuit avec, et où il y a l'affiche, le titre du film. C'est complètement fou. Je ne sais pas s'ils vont le retrouver, mais j'avais vu ça à la télé à l'époque. Ça m'avait fait hurler. C'était inspiré du film d'Éric Rohmer, d'ailleurs, ce titre, Manu... Le titre était inspiré, effectivement, de Manu Chemoud. Et c'est Mishkin qui avait inventé ce titre parce que le CNC avait refusé La Grande Baise. La Grande Baise qui était donc un hommage précis à La Grande Bouffe, de Ferreri, et qui ne s'en cachait pas, vu le titre. Mais le CNC a failli interdire complètement le film, d'ailleurs. Parce que le mélange entre le porno et la mort, c'était des choses qui les choquaient un peu. Et aussi, dans le film d'ailleurs porno aussi, je trouve qu'il y a une grosse influence. Après, c'est la blaxploitation, un peu tout ce film américain avec beaucoup de blagues et tout, très 70s, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça aussi, c'est le sujet qui l'autorise. C'est que, contrairement à ce que beaucoup de critiques ont dit à l'époque en parlant du magnifique avec Belmondo, le film est beaucoup plus influencé. Moi, j'étais parti de l'idée de La vie secrète de Walter Mitty.
qui m'avait beaucoup plu, ou l'histoire de ce personnage qui se fantasme dans des situations où il devient le héros. Et donc j'ai pris un personnage féminin cette fois-ci, et pour cause, on parle d'un porno, qui est un peu coincé dans la vie et tout, et qui s'épanouit en écrivant des histoires dingues dont elle est l'héroïne. Mais du coup, on voit qu'en fait, bah, plusieurs millions de Français ont vu tes films, en fait, c'est ça qui est... Oui, c'est ça qui est fou, surtout grâce à Canal+, reconnaissons le truc, c'est qu'après, quand Canal est arrivé et que le porno du samedi soir à minuit, nos films sont passés, c'était étonnant. Et d'ailleurs, ça a bouleversé aussi la vie de pas mal de comédiennes qui imaginaient qu'il n'y avait que les vieux pervers qui les auraient vus en salle, se retrouvaient à la télé. Ça, c'était un peu impressionnant aussi. Il s'est passé des trucs pas follement amusants. C'est-à-dire que j'en ai fait quelques-uns en 35, mais j'en ai fait aussi un paquet en vidéo. Quand j'ai commencé à en faire pour VMD, pour Marc Dorcel, j'en ai fait, oui, je ne sais plus, entre 15 et 20, je ne sais plus exactement le chiffre exact, mais j'en ai fait beaucoup. Et tu n'as jamais envie du coup de refaire après des films traditionnels, par exemple comme Claude Mulot ou des films si. Mais bien sûr que si. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, le métier a évolué. Et surtout, on s'est retrouvés, je dis « on », nous les réals de cette époque, on s'est retrouvés vraiment avec le tampon interdit aux moins de 18 ans. Si on voulait faire un film... dit traditionnel, c'était injouable parce que on était marqué. Donc j'ai pas pu, effectivement. J'aurais bien aimé. J'ai écrit ensuite quelques scénars, bon, outre les Pécasses. Un jour Carlos me dit TF1 qui voudrait bien faire une série avec moi et tout, t'aurais pas une idée. Et puis bon, bah, j'ai fait le JAP, le juge d'application des peines. Mais c'est pas moi, c'est José Dayan qui réalisait en l'occurrence. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai été marqué. Bon, mais je le répète, j'ai eu du bol. Ça va, on va pas pleurer. Pierre, j'ai connu Pierre, ça devait être en 70, dans ces eaux-là, parce que j'étais ami avec Bernard Luba, qui vivait à l'époque avec Anne Vassiliou, la sœur de Pierre. Et j'ai connu toute la famille Vassiliou, Michel Vassiliou, qui était son parolier des premières chansons irrésistibles. C'était un pauvre gars qui s'appelait Armand, il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman. Et j'ai connu Pierre, on est devenus potes, voilà. Et j'étais très content, parce qu'il m'était très reconnaissant, dans le sens où je lui ai fait faire son premier long métrage, son premier rôle d'acteur sur La Saignée, où je l'ai casté pour Claude dans La Saignée, où il avait un rôle. Et il était fou de bonheur. Et donc voilà, l'amitié, je le répète, le bol et l'amitié sont les deux choses les plus importantes dans ma vie. Et ça m'a apporté tout ce que j'ai vécu. Donc oui, que ce soit Johnny, Carlos, Sardou à une certaine époque aussi, on était potes. Et on l'est resté très longtemps. Mais Filmo TV,
C'est quelque chose de très agréable, dans le sens où, avant tout, c'est un site pour les cinéphiles et pour les, je veux dire, il y a plein de sites comme ça sur Internet, mais celui-là propose des films d'une certaine manière et par thème, par genre, et aide le spectateur à bien saisir de quoi il est question, l'aider à aller découvrir d'autres choses. Et il se trouve que ce sont des anciens de Canal+, qui sont à la tête de Filmo TV, et qui sont avant tout cinéphiles et amoureux du cinéma, et qui demandent à des chroniqueurs de venir présenter les films ou de faire des émissions où on fait, c'est plus des chroniques, mais c'est des présentations d'une thématique, etc., etc. Et c'est un pur bonheur, parce que on nous demande, nous, chroniqueurs, de regarder un maximum de films et d'en parler et de faire partager notre plaisir aux spectateurs. C'est aussi simple que ça et c'est un vrai plaisir. On est chroniqueur sur Filmo TV. Et du coup, tu penses quoi du coup de la plateforme? Parce que de plus en plus, on dit que le support physique va disparaître. Oui, c'est un peu l'avenir. C'est le destin du système. C'est que bientôt tout se fera par télécommande interposée. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on aura, d'une part, on aura le choix, et d'autre part, un site comme une plateforme comme Filmo TV donne des choix très cinéphilique d'un côté et très varié. Et ça, c'est formidable. Ce ne sont pas que les derniers standards. Et c'est ça qui est agréable, justement.